أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل معكم هذه السلسلة من الدروس، وهذه المرة مع الدرس الثاني، شابتر 2، كوديفيكاسيون و ريبريزونتاسيون ألفا نوميريك. في هذا الدرس سوف نتطرق إن شاء الله إلى بعض الرموز اللي هي ثنائية، سو سون دي كود بينار، نوميريك اي alphanumérique, pareil comme le BCD, le Gray et le code ASCII et l'Unicode. Commençons par le code BCD, Binary Coded Decimal. Exemple, si je veux écrire un nombre avec un télécommande, ce nombre va apparaître dans ce nombre va apparaître sur écran. Exemple, donc je tape le 7, une séquence binaire qui va se transformer vers l'écran et afficher sous forme décimale, c'est le 7. Je tape le 8, donc une séquence binaire, il y a le 1000 qui va transformer sur 4 bits par exemple. Et je tape le 9, voilà, qui est 1001. Voilà. Donc j'ai transféré le chiffre 789 vers l'écran avec une télécommande. Donc le code binaire obtenu, donc c'est pas un code binaire classique qui est obtenu par la division successive. Donc c'est un code BCD. Voilà, c'est un code BCD. Maintenant, si je veux définir le code BCD, donc c'est un code binaire qui code chaque digit décimal par son équivalent binaire en 4 bits. Il est utilisé généralement dans les systèmes où il y a un échange d'informations, comme par exemple entre télécommande et écran. Donc addition en BCD. Donc l'opération de l'addition en BCD se fait sur deux étapes. Donc, dans la première étape, calculer individuellement la somme de chaque paire de groupes de 4 bits et sans porter la retenue au prochain groupe. Donc, je m'entends dire addition, chaque 4 bits, je me mets à la 4 bits, mais même le cas de la retenue, je mets juste le prochain groupe. Je mets le groupe de 4 bits. Deuxième phase, la correction. Donc, résultat, il y a des icônes erronées. Donc, pour corriger les groupes, on va commencer de droite à gauche, donc du poids faible jusqu'à poids fort. Chaque groupe dépassant le 001, maintenant dépassant le 9, donc, je dis de l'eau, ajoute de 6. Donc, il est corrigé par ajout de 110. Si le groupe dégage une retenue, elle sera envoyée au prochain groupe. Exemple. Donc, j'ai 39 plus 58. Donc, remarquez la conversion en BCD. 3, c'est 0, 0, 1, 1 sur 4 bits. Le 9, c'est 1, 0, 0, 1. Voilà, le 9. Plus 58. Le 5, c'est 0, 1, 0, 1. Voilà, le 5. Et le 8, c'est 1, 3, 0. Voilà. Donc, l'opération, elle se fait sur deux phases. La première phase, additionner chaque paire de groupes individuellement, sans porter la retenue vers le prochain groupe. Voilà. Ah, il y a une ligne de séparation pour montrer que la retenue ne sera pas portée au prochain groupe. Donc, 1 plus 0 égale 1, 0, 0. 1 plus 1 égale 0.
et une petite retenue 1. Et elle n'est pas portée. J'additionne le deuxième paire. 1 plus 1 égale 0, 1, 0, 0, 1. Donc c'est la première phase. C'est additionner les paires de 4 bits séparément. Hein, chaque groupe, wahdo. Deuxième phase, c'est la correction des groupes. De droite à gauche. Maintenant, nous avons le G. Chaque groupe, nous avons vu dépasser le 9. Nous avons le 6. Nous avons le 1, 1, 0. Donc, c'est un groupe qui dépasse le 9. Donc, ajout de 6. Voilà. Nombre supérieur à 9. Donc, ajout de 6. Très bien. Plus 6. On va dire la somme. Égale 1, 1, 0 avec une retenue. Donc, dans cette phase, la retenue est portée vers le prochain groupe. Voilà. Allez, donc voilà. Le groupe devient 9, donc il ne dépasse pas 9, donc il ne nécessite pas une correction. Je le copie comme il est. Très bien. C'est l'addition en BCD, tout simplement. Deuxième code, c'est le code Gray, proposé par Frank Gray. Donc, dans ce code, le passage d'un nombre au nombre suivant se traduit par un changement d'un seul bit seulement. Donc, c'est-à-dire la différence entre un nombre et son successeur est dans un seul bit qui change. C'est la différence entre deux nombres successifs. C'est le principe du code Gray. Exemple sur 3 bits. Donc, en code Gray, le premier nombre, c'est 3 0. Voilà. Donc, le principe, c'est un seul bit qui change. Donc, je vais faire le changement de droite à gauche. Donc, je vais changer le premier bit. Donc, 1 et le reste des 0. Voilà, c'est le successeur. Donc, le successeur de ce nombre, c'est cela. Le prochain nombre, j'essaie toujours de changer de droite à gauche. Si je change le 1, donc il devient 3, 0. Donc 3, 0, c'est déjà écrit. Donc il reste comme il est. Je vais faire un changement ici. Donc si le devient 1, c'est un nouveau nombre. Voilà. Le successeur de 0 à 1. Toujours, j'essaie de faire le changement de droite à gauche. Si je fais un changement ici, j'obtiens un nouveau nombre, c'est 0, 1, 0. Donc, c'est possible. 0, 1, 0. Ensuite, si je fais un changement ici, donc j'obtiens 0, 1, c'est déjà écrit. Donc, c'est impossible. Je fais un changement ici. Donc, ça, 1, 1, ici, je fais 0, ça devient 3, 0, c'est impossible. Donc, le 1 reste. Donc, le changement sera dans le troisième bit. C'est un nouveau nombre. Au suivant, le prochain nombre, c'est si je fais un changement ici, c'est un nouveau nombre, donc c'est le 1, 1, 1. Au suivant, si je fais un changement ici, j'obtiens ce nombre, c'est déjà écrit, donc impossible. Si je fais un changement ici, oui, c'est possible parce que c'est un nombre qui n'est pas déjà écrit, donc c'est 0. Au suivant, si je fais un changement ici, est-ce que c'est possible? Oui. Ça devient 1, 0, 0, c'est un nouveau nombre, etc. Donc, c'est le principe du code Gray. Donc, entre un nombre et son successeur, il faut faire un seul changement de bit. Passage du code binaire vers le code Gray. Donc, il y a une méthode arithmétique pour convertir un nombre binaire en Gray. Donc, le principe, on conserve le premier bit du poids fort. On additionne le premier bit binaire au deuxième bit binaire pour avoir le deuxième bit du code réfléchi. Le code réfléchi, c'est le code Gray. Voilà. Ensuite, on additionne le deuxième bit binaire plus le troisième pour avoir le troisième bit du code Gray, etc. Lorsqu'on additionne, c'est 0 plus 0 égale 0, 0 plus 1 égale 1, 1 plus 1 égale 0. Donc la retenue est négligée. Exemple pour éclaircir les choses. Donc la règle nous dit, le premier bit du poids fort reste comme il est. Il sera copié directement, sans calcul. Voilà. Maintenant, additionner le bit premier plus deuxième pour avoir le deuxième. Donc 1 plus 1 égale 0. Voilà.
Bad 1 plus 0 égale 1. Bad 0 plus 0 égale 0. Bad 0 plus 1 égale 1. 1 plus 1 égale 0. 1 plus 0 égale 1. 0 plus 1 égale 1. Et on a terminé la conversion du binaire vers le code grec. Maintenant, on va voir la conversion du code grec vers le binaire. Le principe, on conserve le premier bit du poids fort du code grec, c'est le même. Donc, toujours le premier bit du poids fort, copier Kimara. C'est-à-dire le premier bit du code grec, il reste le premier bit du code binaire. Kif kif. On additionne le premier bit du code binaire au deuxième bit du code grec pour obtenir le deuxième bit binaire. Deuxième étape, on additionne ensuite le deuxième bit du code binaire au troisième bit du code grec pour obtenir le troisième bit binaire. Ainsi de suite. Kif kif les règles de calcul, 0 plus 0 égale 0, 0 plus 1 égale 1, 1 plus 1 égale 0. Exemple, voilà le premier poids fort. Reste, c'est le premier bit du poids fort. Maintenant, on additionne le premier bit du code binaire plus le deuxième grec. Et on le met ici. 1 plus 1 égale 0. 0 plus 0 égale 1. 0. 0 plus 0 égale 0. 0 plus 1 égale 1. 1 plus 1 égale 0. 0 plus 0 égale 0. 0 plus 1 égale 1. Généralement, on ne parle pas des calculs en code grec. Donc, c'est tout simplement la conversion du binaire vers le grec ou du grec vers le binaire. Passons maintenant au troisième code. C'est le code ASCII. C'est le code des caractères. ASCII, c'est une abréviation du American Standard Code for Information Interchange. Donc, code américain standard pour l'échange d'informations. On prononce le code ASCII. Donc, sa première version est codée sur 7 bits, donc de 0 à 127. Il permet de décoder les lettres, les caractères anglophones, donc minuscules, majuscules, les codes de contrôle, les fins de texte, codes de contrôle de périphérique, les symboles numériques, etc. Malgré que dans cette époque, les caractères sont codés sur 8 bits. Les machines commencent à utiliser 32 bits, donc dans un mot mémoire 4 octets. Donc, ils ont fait 0 plus les 7 bits. Donc, un octet. Donc, ils ont utilisé 7 bits pour faire le code ASCII. Le 8e bit à utiliser comme un bit de parité pour contrôler les erreurs de transmission de l'information. Donc, l'essentiel, la première version code ASCII est codée sur 7 bits. Donc, ils ont codé 128 caractères qui contient les lettres anglais, minuscules et majuscules, quelques symboles de ponctuation, de contrôle de texte, de périphérique et arithmétique. Exemple, c'est la table code ASCII, la première version sur 7 bits. Donc, convertir le mot codage en ASCII. Donc, codage, donc C majuscule. Donc, je cherche le mot C en majuscule. Voilà, c'est le C. Je vais extraire l'équivalent, son équivalent binaire. C'est 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Donc, maintenant, il y a 1, 0, 0 et je complète 0, 0, 1. Voilà. Celui-ci, le O minuscule. Voilà, c'est O. Donc, son code, c'est 1, 1, 0. 4, 1. C'est 1, 1, 0. 4, 1. Voilà. 1, 1, 0, 4, 1. D minuscule. Voilà, c'est 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. A minuscule, c'est 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Voilà. G minuscule,
C'est 1-1-0. Voilà, avec 1-1-0. 0-3-1. Et le E minuscule, c'est 1-1-0. 0-1-0-1. Voilà. Donc, c'est l'équivalent ASCII du mot codage. La deuxième version était la norme ISO 8859. Donc, à la fin des années 1980, sont définis les codages ISO 8859 qui sont diverses extensions du codage ASCII permettant de coder en plus des lettres latines accentuées et d'introduire en partie certains autres alphabets. Donc, cette codification est. Cette norme est codée sur 8 bits. Dans cette codification, les 128 caractères sont les mêmes, sont les caractères anglophones, et le reste, les 128 caractères restants, sont pour les caractères accentués, comme le français, les danois, les grecs. Donc chaque pays a proposé sa extension. Tous ces codages sont codés, les caractères avec des mots binaires sur 8 bits. Donc la taille de la norme ISO 8859 et 8 bits, l'Unicode. Maintenant, on a la codification des caractères. Donc, dans les années 1990, les Japonais, Mehboshi Senyo, avec l'Ittifaqiyya ta'a la normalisation, علاش قال لك لازم ندخلوا حتى حنايا لي كاركتر تاعنا دونك 8 بيت ما كانش فيها لي كاركتر جابوني ولا كوريا اكسيتيرا دونك خموا يديروا يونيكود وين يكبروا لا تاي تاع الكود دي كاركتر باش يدخلوا فيه لي زوتر كاركتر تاع لي بي تاع الكوريا جابوني تاي ولا عرب اكسيتيرا دونك دون لي زاني 1990 لو بروجي يونيكود دو كوداج دو تو لي الفابي اي ني. Donc l'Unicode est une famille de codage, c'est une autre norme que l'ASCII, qui présente l'avantage de proposer une version unifiée. Donc Nayahbu, Ikharjo, une version unifiée contient tous les caractères possibles dans le monde, des différents codages de caractères complétant l'ASCII. Donc l'ASCII est une partie de l'Unicode, il sera inclus. Mais aussi permettre l'encodage de caractères autres que ceux de l'alphabet latin. Unicode définit des dizaines de milliers de codes. Mais les 128 premiers restent les mêmes tels code ASCII qui a été créé pour les anglophones, c'est le code ASCII sur 7 bits. Une version normalisée, c'est le codage UTF-8. Donc c'est un codage de longueur variable. Donc, on a le codage varié entre 1 octet et jusqu'à 4 octets. Certains caractères sont codés sur 1 sur octet. Ce sont les 128 caractères, tel le codage ASCII. Son bit de poids fort est toujours 0. Donc, les 128 caractères Loulin qui ont été sur 7 bits, donc ils sont codés sur 1 seul octet, avec le premier bit et un 0. Les autres caractères peuvent être codés sur 2 octets, 3 ou bien 4. Les bits de poids fort du premier octet indiquent toujours le nombre d'octets utilisés. Donc, si je trouve le poids fort du premier octet, je sais pas si j'ai un octet avec le codage. Si le caractère est codé sur 2 octets, les 3 premiers bits du premier octet sont à 1, 1, 0. Donc, si je trouve le code, je sais pas si la codification fait 2 octets. S'il est sur 3 octets, alors les 4 premiers bits du premier octet sont 1, 1, 1, 0. Enfin, s'il est codé sur 4 octets, les 5 premiers bits du premier octet sont 1, 1, 1, 1, 0. Les deux bits du poids fort des octets qui suivent sont toujours commencent par 1, 0. Donc, pour bien expliquer, donc, les 4 possibilités pour coder un caractère avec le codage UTF-8. Donc, s'il est codé sur 1 octet, donc je trouve 1 0 et le reste en binaire, quel que soit. Donc, si les 128 caractères latins anglophones, l'ouline, il me fait un accent, il me fait un mot. Donc, si le
Le code est composé de deux octets. Donc le premier octet commence par un 1 0. Bah, le reste, c'est des 1 et des 0. Le deuxième octet commence par 10 toujours. Toujours les octets qui suivent, remarquez, toujours commence par 10. Si le mot est composé de 3 octets, donc je trouve 3 1, puis 1 0 et le reste en binaire. Toujours les octets qui suivent commencent par 10, remarque. Et si le nombre, si le mot est codé sur 4 octets, je trouve 4, 1 et 0, puis le reste est binaire. Les octets qui suivent toujours commencent par 10. Subhanakallahumma bihamdik, shadu la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.